Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du HMB. Alors je vous vois déjà sourire puisque le HMB c'est un complément alimentaire un petit peu obscur qui se destine aux musculeux et qui n'est pas forcément connu de tout le monde. Alors déjà HMB ça veut dire quoi? Alors derrière HMB se cache un nom un peu barbare qui est bêta-hydroxybêta-méthylbutyrate. Bien évidemment vous n'allez pas à le retenir. En gros, le HMB à l'origine c'était un supplément qui était utilisé en médecine pour améliorer la récupération chez les patients après une intervention chirurgicale. Pourquoi? Bah parce que le HMB en fait c'est un dérivé de la leucine. Donc c'est comme vous le savez la leucine un acide aminé essentiel qu'on retrouve dans les BCA et qui favorise la croissance musculaire, qui a un rôle anabolique. Donc le HMB en fait quand il est arrivé sur le marché c'est un petit peu le complément alimentaire miracle parce que il a des performances et des résultats qui font rêver. En gros, pour faire simple, et c'est ce qu'il faut que vous reteniez, le HMB, ça permet d'améliorer la prise de masse, ça permet d'augmenter le gain de force, ça permet de favoriser la sèche, donc perte de masse grasse, ça limite le catabolisme via la leucine, puisque c'est un dérivé de la leucine, et ça améliore la récupération. Donc typiquement, le HMB, quand est-ce que ça se prend? Ça se prend après l'entraînement, et c'est très efficace en fait quand c'est mixé avec un shaker de whey par exemple, puisqu'en fait la leucine vient se synergiser avec la whey et c'est là que ça fonctionne. Alors les doses recommandées c'est 2 à 3 grammes par jour. Ça fait partie des compléments alimentaires qui n'ont aucune utilité si pas d'entraînement. En gros, ça améliore la récupération musculaire, ça va vous donner plus de gain de force. Donc typiquement, ça va vous permettre de faire des entraînements plus longs, plus dur et de forcer plus. C'est un petit peu le même système que la créatine, c'est-à-dire la créatine, ça va apporter de l'énergie à vos muscles, ça va vous permettre de faire des entraînements qui sont plus longs et plus durs. Et d'ailleurs, le HMB, en termes de vente croisée, cross-selling, fonctionne extrêmement bien avec la créatine pour la simple et bonne raison qu'ils vont se synergiser l'un l'autre et faire en sorte d'augmenter les capacités de chaque complément. Donc en résumé, le HMB, qu'est-ce que c'est? C'est un complément qui est destiné aux musculeux, qui augmente la prise de masse, le gain de force et favorise la sèche. Mais il permet également de limiter le catabolisme et d'améliorer la récupération. Il se prend après l'entraînement, idéalement avec de la whey pour augmenter l'effet du HMB. Et donc voilà, maintenant je suis persuadé que vous savez tous sur le HMB, que vous pourrez tous le placer beaucoup plus facilement. Et bonne vente à tous!